À sauter tout le temps comme ça. Il a tenu 3 jours. Au bout de 3 jours, il est reparti chez le médecin. Il a dit, médecin, faut faire quelque chose. Le médecin a dit, bah ouais, va qu'une seule solution, mon gars. Faut que t'ailles val un serpent. C'est compliqué. Il est allé dans la forêt. Il a choisi un sanglier pas trop gros. Mais suffisamment grand pour tuer un serpent. Et puis il l'a avalé. Ah bah c'était bien tranquille quand même. Hein. Mais alors il comprenait pas. Parce que la nuit, il se levait avec une irrésistible envie de manger des racines. Là où vous en êtes, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est le chasseur. Forcément. Bon, il a regardé le médecin, lui dit, vous êtes chasseur, vous? Le médecin a dit oui. Vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi? Je vais vous soigner, qu'il a dit le médecin. Il a ouvert son placard, il a sorti son fusil, et il est rentré dans le corps du bonhomme. Quelques temps après, on a entendu POM! Depuis ce jour-là, l'homme, il n'a plus jamais eu de soucis. Ah bah oui. Il était mort.